grand loto des meurtres, les cadavres se montaient à 30 piles hier. 10, rien qu'à Heywood, grâce à notre fabuleuse guerre des gangs. On compte aussi un policier, alors gaffe à vos culs, parce que le NCPD va pas laisser passer ça. Nouvelle coupure de courant à Santo Domingo, encore des nettes d'heure occupées à trouer le réseau électrique. Tandis que dans les rues de Westbrook, la trauma team décolle les victimes des cyberpsychos de la chaussée. Et à Pacifica ? Eh bien, Pacifica reste Pacifica. C'était votre ami Stan. Restez avec moi pour une nouvelle journée dans notre cité des rêves. Vous l'aurez compris, messieurs, dames, nous allons ensemble découvrir en let's play Cyberpunk 2077, le dernier petit bijou de CD Projekt, je le rappelle, les créateurs de The Witcher 3. Mais trêve de bavardage, commençons tout de suite. Alors là, c'est quoi, j'ai le choix entre trois classes, c'est ça? Parcourir les Bowlands, fouiller des décharges, attaquer des dépôts et de carburant, la vie sur la route n'avait rien de facile. Mais grandir dans un clan de nomades a des avantages. L'honnêteté, l'intégrité et l'amour à la liberté sont les qualités rares à Night City, et l'argent ne peut pas les acheter. Gosse des rues. Pour comprendre la rue, on dit qu'il faut y avoir vécu. Vous avez grandi au milieu des gangs, des fixés, des poupées et des petits revendeurs. Dans ce milieu, la loi de la jungle impose au fait de servir les forts. C'est seule la loi de Night City que vous n'avez pas encore réussi à enfreindre. Les corpos. Peu de gens quittent le monde des corporations en vie, mais en conservant leur âme. Vous avez connu ça, vous avez contourné les règles, exploité des secrets et utilisé des informations comme des armes. Personne ne joue à la loyale, il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Ah, du coup, je pense que je vais partir gosse des rues. On choisit un mec. Et là, on a nos personnalisations, on a des pré-réglages par ici. Celui-ci me semble correct. Et on est bon, suivant. Constitution. Comment ça? Votre constitution détermine votre force physique brute. En plus de vous permettre de forcer les portes à partir du niveau 3, chaque niveau de constitution. On va rajouter sang-froid, capacité technique. Et après, reste en constitution. Et là, on a tout le récapitulatif. Très bien. Eh bien, écoutez, on y va, hein? On tarde pas et on y va. Un petit anesthésiant. Arranger le nez, boire le shot. Arranger le nez. J'ai envie de voir comment il va faire. Bien, Hermano. Un connard a essayé de me braquer. Je m'en suis occupé. Qui ça? Un gars du coin? Tu crois vraiment qu'un gars d'ici s'en serait pris à moi, Pépé? Écoute, Ray, j'ai un souci. C'est sérieux cette fois. T'as des emmerdes? Tu t'es mis dans la merde, c'est ça? T'as besoin d'aide? J'avais que je pouvais compter sur toi. C'est Kirk. Je lui dois du fric. Il a dit qu'il allait me péter les jambes si je payais pas demain. Et c'est pas le genre à déconner. Il a les cartels derrière lui. T'as fait affaire avec Kirk? Même les rats de Heywood s'approchent pas de ce putain de rapace. Mon frère venait de sortir de tôle. Je voulais l'accueillir en héros. J'ai merdé, Evey. Je sais. Tu devrais arrêter tes conneries. Je vais aller voir Kirk pour toi. Je vais parler à Kirk. Et toi, tu me devras un service. C'est votre première fois à Night City? Suivez attentivement les didacticiels et pour vous familiariser avec les mécaniques de base du jeu. Mais si vous êtes déjà un edgerunner expérimenté, n'hésitez pas à désactiver les conseils. Vous pouvez vous rendre dans la base de données à tout moment de la partie pour accéder aux didacticiels et vous renseigner sur les sujets importants de Cyberpunk. Étant donné qu'on n'y a jamais joué et je ne suis absolument pas un edgerunner expérimenté, on va suivre les didacticiels. Trouvez Kirk au deuxième étage. Oh, le jeu est super fluide.
Le jeu est super fluide et il est très joli pour l'instant. Pff, c'est super fluide. Je rappelle qu'on est sur PlayStation 5 là, donc là le jeu vous l'avez en haute qualité sur PlayStation 5 et en fluidité maximale. Salut toi. Hello Kirk. Salut Kirk, il faut qu'on se parle. Hé, hey, ça fait une paye. Vas-y, crash, de quoi t'as besoin? On va s'asseoir, hein. Pépé m'a demandé de venir te parler. Quoi, il a peur de me rembourser lui-même? Dis-lui que je vais pas le mordre. Pour l'instant. C'est quoi ton problème? Il te doit combien? Désolé, secret professionnel. Alors je vais juste te dire... beaucoup. Un vautour avec des principes. C'est trop beau pour être vrai. Alors joyeux putain de Noël, mon poussin. Fous-lui la paix. Fous-lui la paix, d'accord? Il va te payer. Il a juste besoin d'un peu de temps. J'ai la gueule d'un mec qui fait la charité. Quand t'empruntes des édits, tu les rembourses. Avec les intérêts. C'est comme ça que ça marche. Tu veux que je lâche la grappe à un crétin de Modup qui n'est pas foutu de payer ses dettes? Non, je veux que tu le lâches parce que je te le demande. Tu me connais, je suis un homme d'affaires. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est... qu'est-ce que j'ai à y gagner? T'éviteras les ennuis, je te devrai un service. Ça se trouve que Kirk, il a peut-être le bras long. T'éviteras les ennuis, mec. Tu sais, Kirk, c'est pas pour dire, mais des fois, j'ai l'impression que t'oublies que t'es pas d'ici. Tu viens nous rendre visite à Haywood de temps en temps, mais tu vis à Pacifica. C'est pas à côté. Tu veux en venir? Ce que je veux dire, c'est que tu devrais bien réfléchir avant de t'embrouiller avec les gens du coin. D'accord. Je suis ouvert aux propositions. Comment ça? Prends l'infodoc et... c'est quoi ça? C'est quoi ça? Jette un œil. La caisse Premios sur cette page. Il y en a que 4 comme ça, Night City. La première appartient au directeur régional de Refill. La deuxième au maire Ryan. La troisième à un loueur. Et la quatrième? Elle sera bientôt à mon client. Enfin, dès que tu l'auras fauché pour moi, je veux dire. C'était sûr qu'il fallait la voler pour lui. Punaise! Posez le papier, je suis pas sûr d'y arriver. Si je fais ça, t'effaces sa dette? Si je fais ça, t'effaceras la dette de Pépé? Bien sûr, je tiens toujours parole, tu me connais. Y a pas plus simple. Tu piques la refill pour moi, et j'efface l'ardoise de Pépé. Je te filerai même un petit bonus parce que je suis un mec sympa. Mon pote Rick bosse dans un parking près de l'Embers, le club où le conducteur de notre refill aime se relaxer. Il y est tous les vendredis soirs à la même heure. Dès que t'arriveras, les caméras de surveillance s'éteindront, et la grille s'ouvrira. T'auras plus qu'à monter dans la caisse et à te barrer. C'est tout con. Comment je contourne le système de sécurité de la voiture? Elle est à qui cette caisse? C'est de la merde ton plan et ton Patrick. Surtout comment je contourne les... bon, elle a qui cette caisse déjà? C'est qui le proprio? Un costard d'Arasaka, un qui vient direct du Japon. Et ce mec, crois-moi, il dégueule de fric. Et t'as son nom? Pourquoi je l'aurais? Et qu'est-ce qu'on s'en fout? Il y a une caisse Premio, c'est chez où la trouver. Allez. Et comment je suis censé faire? Je m'allonge sur un skateboard, je glisse sous la bagnole, je branche deux fils et boum, c'est réglé. Kirk, les caisses de ce genre ont des systèmes de sécurité de malade. Ce truc fonctionne comme les clés que les techos de Refill utilisent. Il ouvre les verrous et il contourne les systèmes d'identification. Un passe-partout pour toutes les Refill de la ville? Arrête, Kirk. Même toi, t'y crois pas. Les magiciens Tekos de Kabuki vendent des trucs encore plus dingues sous le manteau. Fais-moi confiance. Alors? C'est bon pour toi? Prends l'appareil et se lever. T'as intérêt à tenir ta promesse, mec. T'as intérêt à tenir parole, Kirk. Du calme, V. Tu vas t'en mettre plein les poches aussi, tu sais. Va à l'Embers, dans le Glen. Ok. Ok, première mission, on va devoir voler une caisse. Et je sens que ça va pas se passer... comme il faut. Ce type est meilleur de sa catégorie. Ok. Y'a même pas de temps de chargement, quoi. On est directement dans Night City, ça y est. C'est quoi ces conneries?
Ok, on peut courir de façon classique en appuyant sur R3. Dis-leur de se tenir prêt. D'accord. Tiens, regardez qui voilà. V, ça fait un bail. Je savais pas que t'étais dans le coin. C'est rentré il y a quelques semaines. Ouais, home sweet home. Je suis rentré d'Atlanta il y a quelques semaines. Je vois que t'as eu droit à un accueil maison. C'était comment dans l'Est? Je te raconterai plus tard. J'ai un truc à faire là. Si tu me racontais maintenant, on va te déposer. Allez. Marcus, on y va. Merci, padre. Montez dans la voiture, c'est quoi? C'est nous qui conduisons? Non. Nous, on monte derrière. Très bien, j'ai compris. Où est-ce qu'on va? Dans le Glen. Dépose-moi à l'Embers. Devant? Prends la bretelle derrière le bar. Je te dirai où t'arrêter. T'as entendu, Marcus? Oh, cette caisse! Je veux la même! Le retour à Night City s'est bien passé. T'as déjà du boulot? Ah, je me débrouille. J'ai des plans par-ci par-là. Rien de très gros. Mais je m'en sors. C'est gentil de t'inquiéter. Alors, ça a pas marché comme tu voulais à Atlanta, hein? Je sais pas vraiment ce que je voulais. Je savais pas vraiment ce que je voulais, en fait. Je pensais juste que ce serait mieux qu'ici. Eh ben non. Tu sais, c'est peut-être mieux comme ça. C'est vachement bien fait, quand même. Ces détails. J'espère qu'il va pas nous faire un coup foiré. C'est quoi ça? Arrête la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Les affaires. T'es armé? Non? Oh! Sébastien Ibarra. C'est mon jour de chance, on dirait. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on règle cette histoire. Une fois pour toutes. J'ai une offre à te faire, papy. Alors, écoute bien. Tu te tires de Vista, et tu retires tous tes connards de la rue. Je te file le Glen, et on n'en parle plus. Tu pourras enfin dormir tranquille. T'as vu? Je suis sympa, non? Alors, dis papy, un mot de plus, connard! Te mêle pas de ça. Je te connais pas. Moi non plus, je te connais pas. Ça veut dire que t'es personne ici, et que tu vaux que dalle. Alors? T'as fini? Je crois bien qu'il n'y a rien à ajouter à cette conversation. Fais gaffe, padre. Tu sais jamais qui te pointe un flingue dans le dos. Pareil pour toi, petit merde. Vas-y, Marcus. Damn, mais c'était quoi ça? Night City, messieurs dames. Je suis content de voir que t'as pas oublié tes racines. Que t'as toujours la flamme. Tellement de petits merdes dans le coin. Ils sont peut-être trouillés dès que ça voit le canon d'un flingue. C'était qui, lui? Personne d'important. D'ici une semaine, il aura disparu et quelqu'un d'autre prendra sa place. Il t'a menacé avec son crasheur? Je veux. Et il va le payer, ça, tu peux me croire. Donc le gun qu'il avait, c'était un crasheur. Ok. Arrête-toi là! C'est bon, je vais descendre ici. Tiens, avant que tu ailles. C'est ton numéro? Ton numéro? Ça pourrait te servir. On pourrait peut-être rebosser ensemble et rattraper le temps perdu. Ouais, merci, padre. Je dois y aller. Ok, ok, que Dieu ok. Que Dieu te protège. Je vois le délire. Non, mais c'est pas vrai! Ok. Oh merde! On appuie sur le. Ruelle, parking. Prendre l'ascenseur pour descendre au garage. Donc parking.
Kirk, ça ouais. V, t'en es où? Je suis sur place. Je vais rejoindre ton gars. Rick, c'est un bon. Tu verras. Tu fais confiance comme un frère. Non mais moi je te fais pas confiance en fait. C'est quoi ces bagnoles? Je peux faire quelque chose pour toi? Attends, attends, je viens de... Ce genre de... Oh là 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 là! Oh là là! C'est Kirk qui m'envoie. Je sais. Les caméras sont HS. T'as 20 minutes. C'est un coup foiré. C'est un coup foireux, ça c'est sûr et certain. Trouver la Rayfield. Mais ça ressemble à quoi? Kirk, je vois la caisse. À toi de jouer, petit. Ah bah. Bonne chance. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle! Pirater le verrou, espérons c'est que ça marche. C'était ta super tête magique. Ta confiance me bouleverse. Ça c'est ouvert! On est riche. Maintenant démarre là et appelle-moi quand tu seras sur la route. Je te dirai où aller. On a réussi à l'ouvrir avec le petit bitonio. Ben, on dirait que ça va le faire. Oh là, cette caisse! La Rayfield. Oh, 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 oh. Descends. Quoi? Descends de cette caisse. Du calme, du calme. Ok. Du calme. J'ai rien contre toi, Kampa. Je fais de mon boulot. La Rayfield est à moi. Eh, hey, et le code des voleurs alors? Premier arrivé, premier servi. J'étais là avant toi. Écoute, il y a deux façons de faire ça. La sympa ou la violente. Mais dans les deux cas, ça se termine pareil. Je repars avec la caisse. Hé, hey, qu'est-ce que tu fous? Catching Gradles. Wow. Oh, geste! C'est fini pour vous! Restez où vous êtes! Les mains en l'air! Ok, ok, ok. Jackie Wells, mon vieux pote de Haywood. T'as toujours pas retenu la leçon à ce que je vois. Hey, officier Stins. Ça fait un bail, hein? C'est inspecteur Stins. Même merde. En parlant de merde, je reconnais ta gueule. Allez, ouais. Crache le morceau, j'attends. T'étais parti chercher le bonheur à Atlanta. Faut croire que tu l'as pas trouvé. J'ai toujours dit que la vermine de Haywood avait le même cycle de vie. Vous naissez, vous vivez, et vous crevez ici. Faut croire que j'avais raison. C'est que dalle sur moi. T'as perdu ta langue? Vous avez que dalle sur moi, du con. Ah, y'a que la vérité qui blesse. Mais reste poli si tu veux pas que je m'énerve. Allez quoi, Steen, soyez sympa. Si vous nous bouclez, on va se tourner les pouces jusqu'au procès. Et après? Au pire, on prendra quelques mois. Le trou est plein à craquer en ce moment, alors à tous les coups, on sortira en avance. Ce sont eux les voleurs? Merde, les pas lui. De bas étage? On les a appréhendés, monsieur Fujioka. On les emmène au poste. Pas la peine, c'est inutile. Je n'ai vraiment pas de temps à perdre avec un témoignage ou une enquête. Quoi? Dois-je les relâcher, monsieur? Je suggère de les balancer à la mer. Menottés et les jambes brisées pour être sûr qu'ils restent au fond. Exécution. Quoi? Mais merde. C'est une blague. Non mais non, 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 non. Et merde. Bon. Je pense qu'on va passer un sale quart d'heure. Clairement. Bande d'enfoirés. Ah, mais j'ai mis du vernis. Pour être honnête, j'ai pas capté. Pendant une seconde, j'ai cru qu'on allait peut-être pas s'en tirer. Moi pas. Putain, moi aussi. Stins, c'est pas marrant. Mais au moins, il lui reste un peu d'honneur. Tu crois vraiment que c'est son honneur qui nous a sauvés? Ouais. Enfin, ça le fait qu'il soit de Haywood comme nous. Si
Si je m'étais pas pointé, tu te baladerais dans Night City en refill, là. Ça aurait pas marché. Bah arrête. Ce job était moisi depuis le début. Même la tech au black de Kabuki peut pas déjouer une alarme comme ça. J'aurais dû me douter que les flics me tomberaient dessus. Va savoir. C'est peut-être la volonté divine. Jackie Wells. V. Je te connais, toi. Tu traînes au Coyote, non? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est au Coyote qu'on m'a proposé de voler cette caisse. Kirk. Tu bosses avec ce Radego? Pépé lui doit du fric, mais il est fauché, alors j'ai proposé de l'aider. Il tourne pas rond, Pépé. Pourquoi il laisse un moudube comme Kirk le traiter comme ça? T'es pas au courant? Il a le soutien des cartels. Les cartels? Non. Je connais les types des cartels et je peux t'assurer qu'ils ont jamais entendu parler de Kirk. El cabron. Je vais lui apprendre qu'on baisse pas les gens de Haywood. Allez, viens. On va grailler un truc. Ah, je vais bien t'aider, ouais. Quoi? Comme ça? J'avais ton crasher collé sur la tempe il y a pas si longtemps. Si t'aides mes potes, ça veut dire que t'es réglo. Sans rancune? Sans rancune. J'ai un bon pressentiment. Sur quoi? Sur nous. Je sens un genre d'alchimie, pas toi? Allez, viens. Je crève la dalle. Et voilà comment se faire des potes. Pour la bouffe. Je te suis. Plutôt efficace. Collez votre flingue sur la tempe d'un mec. Dites-lui que finalement, on est potes. Parce qu'on bosse pour la même personne. Voilà, c'est tout. Hello, Night City! C'est Stanley qui vous parle et c'est une nouvelle journée qui nous attend dans la cité des rêves! J'adore notre bonne vieille ville. Je l'aime comme on peut aimer une mère qui vous a chié 20 ans plus tôt devant un orphelinat et qui vous arrête dans la rue pour vous demander une clope. Chaque jour, une centaine de personnes débarquent ici, mais moins de la moitié de ces pommards survivra une année, et encore, si l'année est bonne. Pourquoi ils viennent tous à Night City alors? Eh ben, pour devenir un samouraï des rues comme Morgan Blackhand ou Wayland Boaba. Plus on prend de risques, plus on peut gagner gros, hein, c'est ce qu'on dit en tout cas. Mais on peut pas rester au top très longtemps, la vie se consume vite quand on la brûle par les deux bouts. Ou alors, quand on se prend une balle. La plupart des légendes de cette ville, vous savez où elles sont aujourd'hui? Au cimetière. Peu importe d'où vous venez, peu importe par où vous commencez, ce qui compte, c'est le chemin que vous allez suivre. À Night City! La cité des rêves! Ah, ça fait rêver, ouais. La fille qu'on cherche est quelque part dans ce bâtiment. Ça doit être le repère des Panderos qui l'ont kidnappé. Ouvre grand les yeux et les oreilles, ok? Ça me fait penser. J'ai un petit cadeau pour toi. Un éclat d'entraînement de Militech. Si jamais tu veux te remettre à niveau. Ça te dit un petit exercice de tir en VR? Non. Sérieux? Mais carrément? Ok. Pourquoi pas? On est dans la matrice, messieurs, dames. C'est officiel. Nous allons commencer par un entraînement aux bases du combat. La séance sera enregistrée à des fins d'évaluation. Ok. Je le rejoins. Ce parcours vise à renforcer vos fondamentaux en matière de combat et à aiguiser vos réflexes. Les compétences que vous apprendrez ici vous permettront de survivre et même de briller sur le terrain. Je vous apprendrai à utiliser des armes, des techniques d'infiltration et des moyens de pirater les réseaux de l'ennemi. Mais c'est génial! Vous allez apprendre tout ce qu'un parfait petit esclave doit savoir pour servir ses maîtres corpo. Ils sont nuls en codage chez Militech.
Par contre, la formation de Troufion, c'est leur truc. Bref. Poste 1, la bleusaille. Et hop, pas de course. Allez. Ouais, mais attends, c'est un bug. Prêt à bouger les fesses sur ce parcours fasciste. Allez. Ce jeu est complètement fou. On va se faire une petite séance de tir tactique, histoire de s'échauffer. Ok, ça marche. Prendre le gun, le Lexington. Waouh. R2 pour tirer, L2 pour viser, carré pour recharger et rengainer votre arme en appuyant deux fois sur triangle. Voyons voir. Oh. Ok, les sensations sont vraiment bonnes. Pas trop dur pour toi. Qu'est-ce que tu dirais si on pimentait un peu les choses? Les sensations de tir sont vraiment cool. Pas mal. Mais pour que ça fasse vrai, reste pas planté là, mets-toi après. Wow, 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 wow. Appuie sur rond pour vous accroupir et vous cacher derrière un abri. Ok, 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 ok. C'est génial. T'as été touché. Utilise un réanimateur pour te rafistoler. Un réanimateur? Mince, mince, mince. Redresse-toi. Quand vous ramassez un consommable, il est automatiquement transféré dans des emplacements rapides. Appuie sur Flagio pour l'utiliser. Ok, elle est où ma barre de vie? Rends-toi dans la zone d'entraînement quand tu seras prêt. Je vois pas où se trouve ma barre de vie. T'as vu? Il est venu avec des tchoums cette fois-ci. Tu sais quoi faire, mais... Oh là là, j'ai du mal! S'occuper de lui. On peut pas s'amuser à tirer comme un bœuf, quoi. Ouf! Ok, les tirs dans la tête font vraiment mal. Va sur la plateforme pour passer à la suite. Ça marche. Pour la suite, je te propose du piratage. Tu verras que j'ai légèrement modifié le matériel pour le cours. Ok. Piratage. Approchez-vous de la fenêtre. D'accord. Et appuie sur L1 pour scanner. Les objets liés aux missions sont en surbrillance dorée. Scannez deux objets de ce type. Le scanner met en surbrillance les objets dignes d'intérêt autour de vous et vous fournit de précieuses informations. Ok, ça faut pas que je l'oublie. Qu'est-ce que c'est que ça? Caméra de surveillance. Ordinateur. Robot. Ça c'est une arme je pense. C'est ça qui nous intéresse. Serveur. Explosif. Vulnérabilité au dysfonctionnement et à la surcharge. Ok, les dangers sont en surbrillance rouge. Les appareils piratables sont en surbrillance verte. Et les objets utiles en surveillance bleue. Ce module d'entraînement t'apprendra à... Fais déconner l'écran en le piratant pour distraire le garde. Ok. Oh, il y a trop d'informations là. Si vous avez installé une cyberconsole, votre scanner comporte une interface supplémentaire vous permettant de choisir des piratages rapides et leurs cibles. Utilisez distraire les ennemis pour distraire le garde. Faites défiler la liste des piratages rapides avec flèche du haut ou flèche du bas. Et là on a quoi? On a ping. Pinguer le réseau de la cible pour révéler toutes les personnes et appareils qui y sont connectés. Coup en mémoire vive 2. Ok, distraire les ennemis, c'est ce que l'on souhaiterait. Provoque le dysfonctionnement d'un appareil, entraîne un comportement incohérent qui détourne l'attention des personnages à proximité. Durée 30 secondes. Temps de rechargement 1 seconde 5. Ok. Avant le fond. Bien. Maintenant, neutralise-le discrètement. Bien. Il est à toi. Neutralise-le. Neutraliser sans tuer. 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 Ouh. Ouh. Le petit bruit. Attention. Il vaut mieux éviter de laisser des traces de ton passage. Et surtout, des cadavres. Ramasse le corps et va le planquer quelque part. Maintiens triangle. Je le fous.
dans des bennes, sérieux. Se débarrasser des corps, vous pouvez cacher les ennemis morts ou inanimés dans certains endroits. Vous éviterez ainsi de vous faire repérer par leurs alliés. Dans une vieille benne à ordures, quoi. On y va tranquillement. Okay. Maintenant, essaie de l'éliminer d'un coup bien placé. Tu es caché le corps. Ouh! Efficace. C'est bon? Non? Tu te sens prêt à pirater des pommards en temps réel? Éclate-toi! Piratage rapide, prendre le contrôle des appareils. Vous pouvez prendre le contrôle de certains appareils grâce au piratage rapide. Bon, tiens, L1. Contrôle de caméra, ça nous coûte 3 mémoires vives. Ah, d'accord! C'est bon. Je vois, les mémoires vives, c'est au-dessus, là, les petites barrettes là, qui bougent. Vous pouvez permettre de contrôler la caméra de surveillance. Les piratages plus avancés vous permettent d'utiliser l'environnement ou les ennemis à votre avantage. Vous pouvez pirater rapidement des appareils et des ennemis, même si vous contrôlez déjà une caméra et une tourelle. D'accord. Ça me permet d'avoir un plus grand angle de vision. Par contre, faire exploser la grenade. Oh ! Par contre, il en faut 11, sauf que moi, j'ai que 3 de mémoire vie maximum. Ok, si je pirate celui-ci. Quoi ? Pour charger le démon pic à glace, vous devez recréer sa séquence de code en sélectionnant des caractères et la matrice de code. Les caractères que vous sélectionnez sont visibles dans la mémoire tampon. Séquence nécessaire pour charger. 55. 5. Voilà, 55. 55. BD. 55. Vas-y, fais péter la grenade. Je peux faire ça? Ah mais c'est bon, j'ai débloqué 8 de mémoire vive. Mais carrément, on fait péter. C'est génial. Oh, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Toi, suffisait que tu débranches ton cerveau et que t'obéisses aux ordres, façon Militech. Sous mes ordres. Mince, je l'ai pas laissé finir parler. Plutôt réussi. J'ai d'autres modules au cas où tu voudrais peaufiner d'autres compétences. Sinon, tu peux y aller. Mais fais attention. Dans la rue, t'auras pas d'avertissement ni de deuxième essai. Didacticiel obligatoire terminé. Furtivité. Mais j'aimerais bien le faire. Pourquoi pas le faire? Bon, utiliser la porte pour quitter la... Allez. Allez, on se fait le module. Bon. D'abord, on va travailler la furtivité. Allez à la fenêtre. Pour marquer une cible, appuyez sur R3. Qu'elle allait marquer. Vaut mieux les identifier d'abord. D'accord. On peut pas les pirater par contre. Quel chemin? Zone hostile. Je crois pas que je puisse les pirater. Oula, 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 pas se faire choper. Quand vous entrez dans le champ de vision d'un ennemi, son indicateur d'alerte commence à se remplir. Trouve un abri pour éviter qu'il vous repère. D'accord. À couvert, vite! Pas mal! Maintenant, dirige-toi doucement vers la sortie. Sans te faire repérer. Voilà. Ok, celui-ci, est-ce que je peux l'achever dans le dos? On a dit furtif, V. T'as déjà vu des DS de ninja? Bah là, c'est pareil. Non. Oh, je suis capté. Mince, je l'avais pas vu derrière moi. Mince. Bon, c'est raté. Ça fait rien. Réessaie. Ah, c'est un nouveau parcours? Ah, c'est le même. Ok, bon, là, on a compris. À couvert, vite. Pas mal. Maintenant, dirige-toi doucement vers la sortie, sans te faire repérer. Ok, on maîtrise. Non, cache-toi, allez!
Allez! Non! Non, non, non! Je peux pas! J'y arrive pas! C'était pas loin. Allez, on reprend. Je pense qu'il faille pas. Il nous faut pas maîtriser en fait le garde. Je pense qu'on peut juste passer derrière lui. En mode ni vu ni connu. À couvert, vite! Pas mal! Maintenant, dirige-toi doucement vers la sortie. Sans te faire repérer. Ok. On se fait pas repérer. On va, bien joué. On passe à la zone suivante. C'est là je peux la pirater, non? Faites attention aux systèmes de sécurité tels que les tourelles, les caméras de surveillance qui peuvent déclencher des alarmes et indiquer votre position à l'ennemi. Maintenant, la même chose avec la caméra. Mais je peux même pas la pirater? Mais il faut que... Oh, 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 oh. Laisse-moi tranquille. On s'est tout droit. V, t'es pas un de ces pommards de Militech. Active-toi. Cool, t'as bien bossé. Mets-toi sur la plateforme pour quitter la cité. Ok, ça va. C'était pas si compliqué que ça, mais il faut prendre la main. On remballe. On se fait le dernier module. Combat avancé. Maintenant, tu vas pouvoir te salir les mains en combat rapproché. Neutralise-le. Mais fais gaffe, il a l'air costaud. Ok. Se faire repérer. Mais évidemment que je peux pas l'assassiner. Okay. J'ai pas pu lire. On va voir si on peut trouver quelqu'un qui boxe dans ta catégorie. J'ai pas lu. Appuyez sur R2 pour effectuer une attaque rapide. Alors à droite. Appuyez deux fois sur rond pour esquiver. Attaque rapide, maintenir R2 et bloquer L2. Ok. Ok. Ok, L2 et R2, c'est pour le pousser. Pour effectuer un enchaînement rapide, appuyez sur R2 pendant que l'attaque rapide précédente est en cours d'exécution. Déjà, on va... Voilà. On va faire ça. Et maintenez R2, ouais, pour une attaque puissante. Ouf. Attaquer l'ennemi sans interruption consommera votre endurance. Les attaques rapides et puissantes ont une consommation d'endurance différente. Votre endurance actuelle apparaît sous forme de barre jaune en haut de votre interface. Ok. Votre ennemi est en position de blocage. Frappez-le pour voir comment vos attaques affectent. Maintenant, on va passer du mode facile au mode normal. Attention, la prochaine buse peut bloquer tes coups. Ok. Ok, elle renvoie les coups aussi. Allez, on enchaîne. Oh, mon blocage. Bloque-toi. Hop là. Faut que je le laisse, voilà, mettre sa garde. Mets ta parade. Briser la garde avec une attaque puissante. Et là, on enchaîne. Bam, bam, bam. Oh. L2 pour bloquer. Au lieu de donner les coups, tu vas les parer. Ouh, l'esquive en arrière est... Vas-y, attaque. Ok, nice. Quand on vous frappe alors que vous bloquez, l'attaque consomme une partie de votre endurance. Si votre endurance tombe à zéro, vous ne pourrez plus bloquer. Voilà, faut vraiment gérer quoi. Les attaques puissantes de l'ennemi peuvent briser votre garde, tout comme vos attaques puissantes peuvent la briser à l'heure. Ok. Vas-y, attaque, mon beau, attaque. Nice. Ah,
Alors, pour contrer une attaque ennemie, appuie sur L2 pour bloquer juste avant de vous faire toucher. Maintenant, cette buse perd l'équilibre à chacun de ses coups. Nice. Profites-en pour lui balancer une contre-attaque. Okay, c'est vraiment juste avant qu'il me touche. J'ai pas... Ah, c'est... Bam. Esquiver trois attaques avec rond. Ça lui va bien. V, je vois cette buse brasser de l'air. Laisse aucun de ses coups t'atteindre. T'inquiète, il lâche des courants d'air là. Vaincre l'ennemi. Tout court. Tu maîtrises maintenant le coup de fou de la buse, jeune apprenti. Je n'ai plus rien à... Passons aux armes de corps à corps. Prends une épée. Oh! Oh! Les techniques de corps à corps que vous venez d'apprendre peuvent être utilisées avec des armes de corps à corps comme le katana. Damn. Oh, c'est génial! Bien. Maintenant, montre-moi ce que t'as appris. Vous pouvez vous disposer de différentes armes et d'une cyber console. Vous allez rencontrer maintenant divers ennemis que vous avez déjà affrontés pendant votre entraînement. Battez-les comme vous le souhaitez. Arrêter les balles, j'imagine. Je peux le pirater? Oui, protocole de piratage. Alors, E9, vite. E9, il est où? E9. Je l'ai pas, E9. Quoi, 55 peut-être? E9, ok. Et là, 55. Quoi? C'est quoi ce délire? Bon, on y va à l'ancienne. T'as fait ça toute ta vie. Bon. J'en vais.